Mondial 2018, la bande de Griezmann à l'assaut du Mondial, c'est parti. Les Bleus démarrent leur Mondial 2018 à midi française ce samedi contre l'Australie, avec un groupe jeune en plein d'insouciance et d'ambition, guidé par l'attaquant Antoine Griezmann. Les hommes de Didier Deschamps sont arrivés vers 10h15-11h15 en Russie, au stade de Kazan, où devraient les encourager entre 1500 et 2000 supporters français, dont des proches de Griezmann et de Paul Pogba et l'ancien président Nicolas Sarkozy. Officiellement, l'équipe de France, vice-championne d'Europe, vise le dernier carré du tournoi en Russie. Mais dans les têtes et les conversations de vestiaire, les joueurs français rêvent d'une deuxième étoile mondiale, 20 ans après celle décrochée par les glorieux anciens de France 98, dont Deschamps, l'actuel sélectionneur. Une compétition comme celle-là, tu ne peux pas te dire que tu feras mieux la prochaine fois. Pour ma part, c'est sûrement ma dernière. Donc j'ai envie de réaliser mon rêve de gosse et la gagner tout simplement, soulignait l'expérimenté Olivier Giroud il y a 10 jours dans un entretien accordé à l'AFP. Le stade de Kazan, le 15 juin 2018, où la France entamera son mondial en Russie, copyright AFP, Benjamin Cremel. Avant de viser de tels sommets, il va falloir faire le travail contre la modeste Australie, 36e au classement FIFA et dernière de sa poule avec 3 défaites lors de la précédente Coupe du Monde au Brésil. Autant dire qu'une contre-performance contre les Soccer Roses serait une énorme désillusion pour les Bleus, face à l'équipe a priori la plus faible du groupe C, où figurent également le Pérou et le Danemark, 11e et 12e au classement FIFA, la boule au ventre, face aux Australiens. Le gardien et capitaine de l'équipe de France Hugo Lloris s'attend à un combat contre une équipe regroupée derrière. Le plus important, c'est l'énergie qu'on dégage et l'agressivité qu'on va mettre sur le terrain, dans les duels, a mis en garde le plus capé des Bleus, du haut de ses 98 sélections. Lloris a aussi prévenu la jeune garde française, jusqu'au coup d'envoi, ils seront partagés entre « excitation » et « petite boule au ventre ». La France espère briller grâce au pied gauche de Griezmann, le 15 juin 2018 à Kazan lors d'une séance d'entraînement copyright AFP, Frank Five, car ce match sera un premier test pour cette bande de jeunes talents qui compose désormais une bonne partie du groupe France. Didier Deschamps, que certains disaient frileux il y a quelques années, leur a largement ouvert la porte ces derniers mois. Dans son 11 de départ contre l'Australie, Dédé pourrait ainsi préférer l'attaquant Ousmane Dembélé, 21 ans, à Olivier Giroud, de 10 ans son aîné. Il pourrait également aligner au milieu Corentin Tolisso, 23 ans, plutôt que Blaise Matuidi, 31 ans, et sur les côtés donner leur chance aux latéraux Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, 44 ans à eux deux. De quoi constituer la plus jeune équipe de France en ouverture d'un mondial depuis l'après-guerre, avec une moyenne d'âge de 24 ans et demi, pas des gamins, c'est pas des gamins, a voulu rassurer le président de la fédération Noël Le Graët jeudi. Kylian Mbappé, est-ce qu'il a 19 ans quand il répond à vos questions? Je n'en suis pas certain, les performances de Mbappé seront en effet l'une des attractions du mondial. Le jeune Parisien, qui n'a cessé de gravir les échelons mois après mois, s'attaque désormais à la plus grande des compétitions. Avec dans le dos le numéro 10 qu'il a lui-même réclamé au staff français, celui que portait avant lui Michel Platini ou Zinedine Zidane. Mbappé Dembélé, la jeunesse française à l'attaque, le 15 juin à Kazan lors d'une séance d'entraînement copyright AFP, Frank Five. Pour montrer la voie à tous ces jeunes loups, l'équipe de France aura besoin de patrons, capables de réveiller les troupes en cas de coup dur. Sur le banc, il y aura Deschamps bien sûr, mais il lui faudra un relais sur les pelouses de Kazan, Moscou et Ekaterinbourg.
son leader technique s'appelle Antoine Griezmann, qui n'est pas un aboyeur, mais qui sait pertinemment combien il sera attendu pendant cette compétition. À l'Euro 2016, l'attaquant de l'Atlético Madrid avait terminé meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi avec 6 réalisations. Pour ce mondial, j'ai la confiance des coéquipiers et du coach, ils attendent que j'amène l'équipe le plus loin possible, je suis prêt et assez tranquille, dit le chef de file des Bleus. Cela commence par l'Australie, 3 autres matchs sont programmés samedi, et notamment l'entrée en lice de Lionel Messi avec l'Argentine contre l'Islande, 15h française à Moscou au stade du Spartak, dans le groupe D. Au lendemain de l'ahurissant triplé de Cristiano Ronaldo avec le Portugal, nul doute que son grand rival argentin voudra à son tour marquer les esprits. Suivront ensuite Pérou-Danemark, 18h française à Saransk, les deux autres adversaires des Bleus dans le groupe C, et Croatie-Nigeria, 21h française à Kaliningrad, dans le groupe D. Tous droits de reproduction et de représentation réservés, copyright 2018, Agence France-Presse.